Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP, ou je dirais plutôt consacré à GMIC. Alors pourquoi consacré à GMIC? Ben ici, il y a eu beaucoup de personnes, énormément de personnes, qui ont eu des problèmes à pouvoir installer GMIC avec des messages d'erreur. Tout en sachant que David, qui est le concepteur, qui est impliqué, qui s'implique énormément par rapport à tous ces filtres qui sont extraordinaires. Donc voilà. Alors, que s'est-il passé réellement? Donc voilà, on est là pour en parler. C'est-à-dire que quand nous étions sur la version de GIMP 2.10.24, j'avais reçu un message de David de quoi qu'il avait travaillé sur un nouveau filtre et qu'il m'avait montré comment pouvoir l'introduire. Donc tout ça, j'en avais parlé sur un ancien tuto et il m'avait d'abord de dire de faire un download et de faire ici la version qui était last DEV, et puis qui a retravaillé le filtre pour pouvoir en faire la version stable. Donc tout ça fonctionnait très très bien. Peut-être par rapport à d'autres, ça ne fonctionnait pas encore, mais on va revenir tout ça par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que GIMP a fait une mise à jour. Et nous sommes passés de la version 2.10.24 à la version 2.10.28. Et voilà, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de messages d'erreur. C'est-à-dire, moi j'ai refait une version pour pouvoir vous montrer exactement ce qui s'est passé aussi. Donc voilà, je vais ouvrir GIMP. Voilà. Alors ça s'ouvre. Désolé pour le temps. Mais c'est bien de reprendre tout ce qui s'est passé. Donc j'ai refait le message erreur que vous pouviez avoir aussi. Donc j'ai retravaillé ça. Voilà. Donc à mon avis, c'est ce que vous avez reçu comme message. Donc si vous cliquez sur OK, bon, l'ouverture va continuer. Voilà, ça s'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe si on va voir dans les filtres? Mais GMIC a disparu. Tout en sachant que si je vais ici dans édition et que je vais dans préférences, je vais aller dans les dossiers, je vais aller dans les greffons, je vais prendre ici le premier, première adresse, je vais l'ouvrir, je vais dans plugin, je clique plugin, vous voyez que j'ai GMIC qui est ici, qui est bien introduit dans mon GIMP 2.10. Il se peut, et ça nous allons voir ça par la suite, que vous ayez ici des petits scripts en plus avec marqué GMIC. Ici moi je les ai enlevés, donc. Mais revenons bien à tout ça. Donc, vous voyez qu'il est bien incorporé. Vous allez me dire, le principe, c'est de pouvoir enlever les anciennes versions de GIMP, de GMIC, pardon, de GMIC qui sont dans vos dossiers. Vous allez me dire, ben, il suffit de faire un clic droit et de faire supprimer. Oui, mais est-ce qu'on va enlever tous les petits filtres qui sont introduits par rapport à ça? Alors, je vais revenir ici en arrière. Je vais annuler. Voilà. Et je vais ici, de nouveau, mettre ça en biais. Voilà. Alors, si on va ici dans le moteur de recherche, ici, vous voyez, dans le petit démarrer, menu démarrer, j'ai ici un engrenage, un paramètre, qui me permet d'ouvrir et voir les applications. Vous pouvez y accéder par rapport à le chemin que je viens de vous montrer. Oui. Ou vous pouvez venir ici, de nouveau, dans le menu démarrer, cliquer ici dans le moteur de recherche et faire ADD, et vous voyez ici, ajouter ou supprimer des programmes, vous cliquez dessus pour tomber sur la même page. Alors, allons voir ici dans le moteur de recherche, et tapons G.M, GMIC, et vous voyez que nous avons ici la version GMIC for GIMP version 2.9.9. Si je clique dessus, vous désinstallez. Voilà, vous le faites. Vous désinstallez. Voilà, vous voulez vraiment désinstaller complètement GMIC, voilà, ainsi que tous ses composants. Oui, c'est là que c'est important. Donc, on enlève. Voilà, GMIC, voilà, a été correctement désinstallé de cet ordinateur. OK. Donc, je reviens ici. Je reviens dans mon GIMP. Je vais de nouveau dans édition. Je vais dans préférences. Je viens ici. Dans le greffon, je reprends ma première adresse, je regarde,
je fais plugin et mon GMIC a disparu. C'est pour ça que regardez toujours aussi bien si vous n'avez pas un petit script qui reste avec GMIC. D'accord ? Ok, ceci étant fait, je peux faire annuler et je vais fermer ici mon GIMP. Et je vais revenir ici. Donc vous aurez bien installé la version 2.10.28 et vous n'avez plus de GMIC. Alors, justement, par rapport à la nouvelle version, c'est-à-dire la mise à jour de GIMP, il y a eu voilà, tous ces problèmes par rapport à GMIC. Naturellement, David, le concepteur, ne sait pas répondre à tous les messages qui ont été envoyés à tous les gens qui font des tutos par rapport à GIMP et par rapport à GMIC. Donc, il m'avait envoyé un message, et je suis là aussi pour servir d'intermédiaire, mais ce qu'il a fait aussi, c'est pouvoir lui expliquer le problème sur sa page de GMIC, ce qu'il a fait. Donc, si on vient bien voir ici, quand j'ai tapé sur Download, et que vous voyez ici, Notes, vous voyez, donc si je fais ici, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je fais traduire en français, voilà. La dernière version de GIMP 2.10.28 de GIMP est connue pour introduire des problèmes de compatibilité des DLL avec la dernière version stable de GMIC, la 2.9.9, ce que je viens de supprimer. Si vous souhaitez utiliser notre GMIC plugin pour GIMP 2.10.28, c'est 2.10, pas le 0.2, je pense, s'il vous plaît, obtenir les dernières, ici, binaires. C'est ce qu'il a fait, voilà, il explique bien par rapport au problème qu'il y a eu avec la version GIMP 2.10.28. Donc, avec la version qu'est la GIMP 2.10.24, il nous avait fait introduire la version stable. Il y a eu des problèmes avec la version 2.10.28. Nous avons supprimé complètement le GMIC par rapport à GIMP. Et là, nous pouvons maintenant ici introduire, comme il le dit, avec obtenir le dernier ici, voilà, DEV. Ce que nous faisons, nous cliquons. Je parle avec l'installateur exe. Pour Linux, c'est autre chose. Hein. Nous, ici, on parle bien pour Windows. Et je fais. Voilà. Donc, je vais aller voir tout affiché. Et même ici, il me met en attendant. Voilà, je fais afficher le dossier. Il est ici. Je fais un double clic. Information complémentaire. Exécuter quand même. Je dis français. OK. Je fais suivant. Je fais je comprends. Je fais suivant. Je laisse comme il n'était auparavant avec le plugin, vous voyez. Suivant. Installer. Je fais terminer. Voilà, je peux fermer ma page ici. Je peux fermer celle-là. Celle-ci. Je mettrai la page, bien sûr, de GMIC dans les intros. Alors, je vais fermer ici et je vais réouvrir mon GIMP pour voir si j'ai toujours ce message d'erreur. Voilà, je n'ai plus de message d'erreur. Si je vais maintenant ici, dans Filtre, j'ai bien mon GMIC. Je vais aller chercher une image, n'importe laquelle. Je vais prendre par exemple celle-ci, celle que j'avais travaillée. Et je vais ouvrir avec GIMP. Voilà. Où il va se mettre. Je fais convertir. Voilà, si je vais dans Filtre, je vais dans GMIC. Et j'aurai 572 filtres qui se trouvent ici. Je peux faire une mise à jour. Oui, mettre à jour les filtres. Voilà, il travaille. Mise à jour correcte. 572. Je dis voilà, ok, ça fonctionne. Alors si maintenant je vais ici dans édition, je vais dans préférences. Voilà, je vais toujours aller revoir. Donc, greffon. GMIC. J'ouvre ma page. Plugin. Voilà, vous voyez. Il se retrouve ici, le GMIC. Tout va bien. Donc, plugin, tout voilà, tout est très bon. Ça fonctionne. Voilà, faites de même. N'oubliez pas de bien désinstaller votre ancienne version de GMIC. Une fois que ceci est fait, vous introduisez la version que David nous a proposée et voyez que cela fonctionne. Donc, n'oubliez pas,
mais à revenir ici. Et pour ceux qui ont pour Windows, vous prenez bien ici la version dernier DEV, ce qu'il explique ici, bien à son aise. Voilà, j'espère que ce petit tuto sera très intéressant pour vous et que vous n'ayez plus ce petit problème de gémique. Encore un grand merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau tuto, surtout consacré justement à gémique. Allez, merci à vous, gros bisous.